Salut à tous! On sort aujourd'hui pour parler d'un petit truc sur la Neo Geo. Je sais pas si vous connaissiez, moi je connaissais pas. Récemment, à la Castle Geek, je vous ai montré des Laserdisc SNK. Alors je sais pas s'ils en faisaient partie. Parce qu'il y avait des Laserdisc d'animé, il y avait un Laserdisc aussi qui n'était pas SNK. Vous avez dû voir la photo, c'était Street Fighter. Mais saviez-vous qu'au Japon, ils ont eu des Laserdisc Citron SNK? Voilà, pas citron comme le fruit. C'est une société qui a produit des Laserdisc pour montrer des gameplays. Des gameplays de jeux, nous, vous savez, on avait eu la cassette Sega Mega Force. Voilà, je l'avais mis sur ma chaîne vidéo, sur ma chaîne YouTube. À l'époque, j'avais acheté le magazine, il y avait la cassette qui était offerte. J'ai regardé en boucle Lunar de Silver Star, l'intro. On avait les jeux Mega CD, les jeux Mega Drive, les jeux Game Gear, les jeux Master System. Tiens, Talmud Adventure, Marvel Land, je crois aussi. Un de ces deux noms. Et au Japon, ils ont eu les Laserdisc Citron. Voilà, regardez, il y a quelques photos sur le site neogeocd.com, je vous mettrai le lien en description. C'était fait par Pony, et là vous avez la marque Citron. Voilà, et en fait les japonais pouvaient voir des let's play de jeux, des combos, des commentaires, mais c'est en japonais, je ne parle pas japonais. Et il y avait différents laserdiscs. Donc eux, ils étaient déjà en avance sur leur temps, le Art of Fighting, World Hero, World Hero 2. Voilà, vous voyez, il y a eu quand même pas mal de titres. Je vous montrerai après, on les trouve un peu sur eBay, ça varie tous les prix. Hein. Je suis sûr qu'on peut en trouver sur des sites japonais, alors celui-là est spécial d'ailleurs, c'est le Neo Geo Gal Graffiti. Si j'ai bien compris, ça parle des filles héroïnes. Et vous avez Mei, Shiranui. Voilà, ouais, je vous disais, sur eBay, ça va dans tous les prix, puis j'ai trouvé quelques bouts de vidéos à vous montrer, parce que je n'ai pas de lecteur de laserdisc. Il y a peut-être des gens dans mon entourage qui ont ces laserdiscs. Voilà, mais bon, je ne vais pas aller chez eux, puis il faudrait les ripper, il faudrait un appareil, enfin, je suis pas équipé pour. D'ailleurs, je sais pas si on peut ripper des laserdiscs sur un PC. Ça existe peut-être. Donc voilà, regardez ce que ça pouvait donner. Donc ça vient d'une vidéo YouTube, hein, l'image n'est pas super de qualité. Mais ça vous présentait les personnages, vous aviez des let's play, enfin pas des super joueurs, des combos. Parce que voilà, j'en ai discuté à la Castle Geek, je voyais les passionnés de Neo Geo. On expliquait ouais, les coups, les trucs, les animations. Alors que vous savez, pour moi, les Neo Geo, ça a été Blue Journée. Hein. Qui m'avait pas forcément marqué d'ailleurs. Et voilà, regardez. Des petits let's play. Voilà, c'est pareil, il a gagné. Il explique sûrement le super coup qu'il a fait. Hein. Et après, ça repart pour nous montrer voilà, des petits coups, des petits combos. Alors, on m'a dit où il y en a, il y avait des pubs. Voilà, je pense qu'il expliquait le coup qu'il a fait. Ça, malheureusement, sur ceux que j'ai trouvé sur YouTube, je n'ai pas vu de pub d'époque. Regardez là, Muscle Power. Voilà, je pense que ça peut être sympa pour les passionnés de Neo Geo. Je pense qu'ils ont peut-être déjà, hein, ils ont peut-être déjà des laserdiscs comme ça. A voir si vous pouvez en trouver sur Raymambo, Zen Market, tous ces sites d'achat au Japon. Ça se trouve peut-être pour pas très cher. Mais je sais pas si on peut lire des CD, enfin des LD japonais sur des LD des platines pionnières en France par exemple. Hein. Voilà. Oh, le mur est assez piquant là. Ça, c'est encore une fois pareil, vous me le direz. Et puis là, vous voyez par exemple, ben, regardez. À la fin de chaque laserdisc, voilà le générique. Les gens qui ont fait le laserdisc, donc c'était fait par ADK et SNK. Voyez, ça vous dit qui c'est qui a joué au jeu World Hero. Voilà, Goro Gashima a joué Dragon, Jen Rasputin. Uyoputa a joué Muscle Power, Fuma Hanzo. Donc là, je m'y connais pas, mais ça doit être, je pense, des bons joueurs. Et ça permettait aux japonais d'avoir des let's play, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop YouTube, hein, quand même. Voilà, c'était comme nous, je pense, les magazines, quelques émissions à la télé, peut-être au Japon. Les cassettes vidéo, c'est sorti en cassette vidéo, mais aussi en laserdisc. Alors, je sais pas si laserdisc était vendu ou donné, puisque nous, les cassettes vidéo étaient dans les magazines en général. Voilà, les cassettes Sega, c'était dans le Mega Force, si je ne me trompe pas. Mais je pense que ça pourrait être sympa, les gens au Japon. Là, vous pouvez avoir un aperçu du jeu, surtout au prix des cartouches. Hein, on parle d'un Neo Geo. Avoir un petit aperçu de ce qui pouvait se passer dans le jeu, et les coups et tout. Alors je vous disais, il y a celui-là. Donc je sais qu'il y avait une vidéo sur YouTube, elle a disparu. Je vais vous montrer la vidéo qui est sur Archive. J'espère que je ne serai pas impacté. On ne sait jamais, il y a peut-être un copyright par les endroits japonais. Hein. Voilà, Neo Geo Gal Graffiti. Je sais qu'il y en a un autre où c'était un concert Neo Geo apparemment. Il n'était pas forcément axé celui-là sur le jeu, mais sur les origines de jeu. Regardez, des persos féminins que vous connaissez, et puis vous allez voir, la fille s'est habillée dans la même tenue. Voilà, Neo Geo Gal Graffiti, donc ça c'est sur Internet Archive. Konnichiwa. Je ne vous mets pas l'image en grand, alors il n'y a pas de son malheureusement.
Ouais, il n'y a pas de sang sur celui-là. Et là, vous voyez, on avait un petit peu dès l'esprit du jeu. Sûrement les combos techniques, hein, moi, vous savez, je spam toutes les touches. Et de temps en temps, des petites photos assez sexy. Et bien sûr, les filles qui vous présentent les jeux. Regardez, là, vous avez le jeu et puis une incrustation en fond vert de la fille à droite. Voilà qui explique sûrement les coups, les combos. Ce qu'il faut faire. Et si vous voyez, c'est pareil. Hop là. Une autre tenue. Voilà, faites ceci, faites cela. Et vous gagnerez. Et là, ce que je vous disais, de temps en temps, bah, il y a soit des petites images, soit des petits trucs assez, assez parodiques. Regardez-moi cette belle tenue d'époque. On dirait un cosplay des années 90. D'ailleurs, c'est les années 90. Regardez-moi ce beau décor. Voilà, elle a sorti l'épée. Et hop, disparition. C'était déjà assez psychédélique à l'époque. Voilà, ça c'est sympathique, je trouve. Une petite poupée. Donc je vous l'ai dit, c'était des laserdiscs avec des let's play, des power play. Voilà, un avant-goût du jeu. On va aller voir maintenant les tarifs sur eBay, entre autres. Vous allez voir, ça varie de raisonnable à pas raisonnable. Donc déjà, ce que je vous disais, c'est sorti aussi en cassette vidéo. Voilà, parce qu'il y a des cassettes vidéo Citron. Et il me semble même qu'après, c'est sorti en DVD. Et le King of Fighters 94, Neo Geo Citron vidéo VHS japonaise, 23€. Le problème, une cassette, vous le savez, c'est qu'avec le temps, ça s'abîme. Voilà. D'ailleurs, même dans la boîte, il y a Pony Canyon. Et la Zerdix, ça varie, j'en ai vu à prix raisonnable. Vendu du Japon, donc lui, il est à 70$ plus 30$ de frais de port, ça fait 100€. Voilà, c'est Laserdisc, mais c'est vrai que Laserdisc, alors c'est gros pour ceux qui ne connaissent pas comme un 33 tours. C'est pas Autoriver ça. Voilà, mais c'est peut-être une pièce de collection à avoir sur votre jeu favori. Hein. J'ai un ami qui est à fond sur les coffres. Voilà. Vous avez le Laserdisc. Le Galgirl, je l'ai trouvé à 40$. Plus 31 frais de port, ah oui, ça vient du Japon. Peut-être pas excessif. Voilà. Le fameux avec les filles qui présentent les jeux, là. Après, j'ai vu un vendeur anglais. Là, c'est 269 livres sterling. Hein. Grosso modo, 250€. Voilà. Puis comme je vous disais, je vois que Laserdisc en NTSC. Et je sais plus quel était le standard de mon lecteur pionnier de Laserdisc hein, que j'avais à l'époque. C'était bien longtemps. C'était dans les années 2000. Quand j'achetais les années laser. Et il y a aussi eu, j'ai vu un coffret spécial. Voilà, le coffret 5e anniversary Neo Geo. Collector Box. Alors lui, il était vendu sur Neo Store à 250€. Vous aviez deux laserdiscs, des CD audio de la bande musicale. C'était marqué Citron, vous voyez le laserdisc ici. Des CD audio. Voilà un joli coffret et à l'époque, il était à 250$. Il est sorti en 93. Vous voyez, je vous dis, ça date hein, tout ça. Donc écoutez, voilà pour la petite vidéo, est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissiez ces laserdiscs? Voilà, si quelqu'un a ripé, ben, il peut me le dire. Après, j'espère que la vidéo restera, on ne sait jamais, avec les copyrights. Je voulais juste vous montrer ça, parce que j'ai entendu parler à la Castle Geek, et du coup, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il n'y a pas grand-monde qui en parlait sur YouTube non plus. Un peu comme le meuble Neo Geo pour les consoles dans les hôtels à l'époque. Donc je vous dis, je vais faire une petite vidéo pour vous en parler. Donc allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit pouce si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde !